Bienvenue sur Battlefield Gothic Armada. Je reviens sur ce jeu, déjà parce que je vais devoir continuer et faire mon let's play. Mais je vais pas vous faire le let's play, je vais vous faire la bêta de Empire To sur le jeu Battlefield Gothic Armada. Ça veut dire que on va jouer en skirmish, en escarmouche. Sur les nouveautés apportées par le développeur. Et c'est pour cela le fait que chez cette bêta, j'ai acheté le jeu, donc je bénéficie de la bêta, puisque le développeur le veut dans ce sens. Alors, jeu de stratégie, hein, tactique, bon jeu de Wargames également. Là, on est en train de... C'est un peu long, mais ça va arriver. Sachez que là, on va faire le skirmish, l'escarmouche. Il y a deux factions ajoutées avec l'espace marine et l'Empire To. Nous on va jouer avec l'Empire To et une fois sur deux on va passer avec l'espèce marine puisque ce sont des nouveautés. Alors vous voyez, on continue, on fait la bêta en escarmouche. Alors ici, possibilité de choisir la flotte impériale, le chaos, les pirates orques, les corsaires Eldar, l'espèce marine et l'Empire To. Moi j'ai dit je prends l'Empire To, je perds pas de... Je refais un nouvel amiral. Alors l'amiral, bon j'ai marqué tout. Voilà, ok. On va se mettre en difficile. Et on s'en va. Ah c'est bien, utiliser la barre d'espace afin de ralentir le jeu si vous avez besoin de façon à porter des ordres tactiques sur le jeu. Voilà la barre d'espace, une nouvelle concernant l'Empire To. On a donc notre général, les stats hein, qui sont donc ici avec leurs armes favoris, tourelle canon ionique. Et ils ont également les tourelles à canon, c'est tous les deux. Non. Le Raygun de Proof, un coup critique porté par cette arme comme des dégâts critiques temporaires ou permanents, d'accord. Et ici, la tourelle à canon ionique, perforation, le blindage du vaisseau ennemi, toujours considéré à 25%. Précision taux, là ce sont tous les traits qu'on a. L'escorteur également. Les ordres, vous pouvez donner recharger, verrouillage, alerte impact, navigation et réparation d'urgence sur les paramètres au début quand on commence à s'engager, surtout que l'Empire To sera donc une faction qui va utiliser des missiles à tête chercheuse et tire de très loin. Donc on va engagement automatique et on va le mettre ici sur attaque frontale parce que c'est beaucoup mieux pour eux. C'est une faction comme ça, alors pas trop bouger, rester droit devant l'adversaire et tirer dessus. C'est un peu ça. Alors les améliorations, pour l'instant je peux pas parce que j'ai que 100 points, donc on va laisser comme ça, stat amélioration, mais on aura l'occasion d'améliorer l'armement, la coque, la passerelle, le générateur et le moteur. Ça, on verra après. Alors ici je peux pas ajouter parce que j'ai que 100 points et les vaisseaux que nous demandent, le premier c'est 175, le deuxième 179 et le troisième 102, donc j'ai pas assez de moyens. Ici on aura des escorteurs, celui-là la frégate Castellan avec des missiles à tête chercheuse lourd, ça c'est intéressant. On va tout de suite au combat et on va essayer de gagner des points de façon à améliorer nos flottes, c'est très important. Alors ici on en a un d'office substitut puisqu'on n'a pas assez d'argent, et là on va affronter les espèces marines.
Et nous, on est défenseur. Alors, on va utiliser ça. Et j'ai encore 148 points. Je vais prendre Fagat 4 seulement. J'en prends 2. C'est ce qu'il y a de mieux. Et je peux prendre également une frégate messagère. Je vais prendre la totalité. Allez, on s'en va au combat. Donc, c'est une bêta avant que sorte une DLC prochainement. Il y aura donc la DLC d'Espace Marine qui est déjà sortie, moi que j'ai, et l'Empire Tau qui va sortir prochainement. Alors, on va mettre notre vaisseau principal. On va le mettre ici. Attention aux mines, attention aux météorites. Et là, on va mettre hop, nos autres vaisseaux qui sont pas des vaisseaux à moi, hein, ce sont des vaisseaux que je peux avoir pendant les combats. Ça se rajoute à ma flotte qui est ici. Mon vaisseau, celui-là, c'est mon vaisseau. Engagement automatique pour tout. Et en attaque frontale, déjà. Donc on va y aller. Et c'est parti. Alors, les ennemis sont ici. Nous, on est en bas sur la petite carte à gauche. On va se mettre en engagement automatique pour l'instant. Alors là, je pourrais par exemple disrupteur de mur. C'est quoi ça? Tous les vaisseaux ennemis à portée intermédiaire autour du vaisseau voient leur portée de détection régulière. Ah, mine, pendant un court laps de temps. Disrupteur de mur ne rend pas votre vaisseau furtif. Il perturbe juste les capacités de détection de l'ennemi. Oui, c'est pas mal ça. Pas mal. Alors c'est la première mission, donc pour la voilà, il y a 4 de combat coyonne, la perte de précision de tous les vaisseaux est réduite de 5%. Vaisseau à détruire 4. Donc là il faudra surveiller au niveau de tout ce qui est météore. Ils approchent. Alors vous savez qu'il y a un bouclier, attention, et après il y aura les traits verts qui sont les pertes de vie, bien entendu. Drones have identified an enemy target. Donc là ça tire de loin, mais oui, c'est normal puisqu'on a des vaisseaux à missiles. Et surtout des missiles à tête chercheuse. Drones have identified an enemy target. Alors lui il vient pris, donc il peut réapparaître. On va utiliser nos missiles. On va essayer d'en faire une bouchée assez vite. Parce qu'il y en a d'autres qui nous viennent de. Reserve the Covadra. Pas là-bas, toi, parce que tu t'en prends plein la vue. Toi aussi. Celui-là aussi. Utilise. Et fais avoir. Aircast, ready for orders. Ça part ici. Closing on your position. Missile interception. Mais... je ne sais même pas qu'il va arriver au but, hein. We serve the Covadra. Kutite's teachings guide our fire. On va éviter cela déjà, ça serait bien. À l'abordage. Je ne sais pas. Où est le feu là? On va essayer. On va essayer de l'aborder. Abordage échec. C'est bon.
Là il est mort aussi. Aircraft ready for orders. At your orders, Coral. How may I serve the power? On l'a cogné. Voilà, c'est bon. Normalement, il doit en rester un, je pense. Oui, il reste ready un. For orders. Il est ici. Donc, on va essayer. Parce qu'il peut tirer de loin. How may I serve the tower? De là aussi. Il a des petits chasseurs autour de lui. Structural integrity compromised. Ce sont les espèces marines. At your orders, Coral. Ils vont faire du dégât. On va demander de ne pas l'abord. Il est trop loin. Il faut qu'il soit beaucoup plus près si on veut demander l'abordage. Coral, ready. Ouais, vaut mieux qu'il reste un peu loin parce que la météorite protège un peu. At your orders, Coral. Non. On va réutiliser le missile. We serve the Corvatra. Le petit vaisseau, il vaut mieux qu'il reste assez loin, c'est préférable. Moi, avec mon vaisseau principal, non, je ne peux pas l'aborder, c'est dommage. Bon, il y a tout amélioré sur ces vaisseaux-là, donc ça c'est important. If you use guide us. Alors, on va retirer ici. Le vaisseau gravitique, je l'utilise que si vraiment je suis vraiment en danger. How may I serve the Tauva? On va essayer de. Voilà. De faire un abordage. L'abordage, c'est mal effectué. Dommage. Ça serait l'endommagé. Voilà. Ici, on a les problèmes qui se posent sur le vaisseau adverse. Il est certainement endommagé. Aircast ready for orders. Moi je vais le réparer. J'ai les tourelles touchées. Je vais commencer à perdre mon bouclier. At your orders, Coral. L'attaquer. Il va partir. Il pourra pas. Il va se faire. On est en mode difficile. Hein. Donc je tenais à prévenir. Donc on va continuer ce let's play sur le mode escarmouche. Avec l'Empire Co. Je voulais donc vous montrer le début de ce jeu. Et moi je le trouve très bien, il est très intéressant. Ce jeu est beaucoup axé sur les combats. Hein. Et améliorer donc son vaisseau. D'ailleurs on va y aller. Renault Méganier 130. Et on va donc aller sur notre station qui répare les vaisseaux. Alors, renommé, maintenant on a 230. Sachez que vous pourrez aussi gagner des faveurs de l'équipage, des compétences, et ainsi de suite. Ici les stats, amélioration, et pour l'instant je n'ai rien du tout. Donc il faudra encore attendre. Dans les voilà, prochains let's play, ça sera pour moi beaucoup mieux. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce jeu que je vais continuer et que je vais vous faire donc en plusieurs vidéos avec l'Empire Tau. Et c'est donc la bêta d'un prochain DLC qui va sortir sur le jeu Escarmouche ou Skarmish. Merci de m'avoir suivi, mettez un j'aime si vous avez apprécié et vous avez intérêt d'en mettre plein d'ailleurs parce que je manque de j'aime et j'ai besoin de vous pour m'aider, sinon ma chaîne, si ça continue,
je vais l'arrêter et je vais partir sur un autre serveur. J'ai déjà commencé à voir d'autres serveurs plus intéressants que YouTube et à première vue, si moi je continue à ne pas avoir assez de visu, assez d'abonnés, je quitte YouTube. Voilà. Je vous tiendrai au courant pour les abonnés et je vous dirai quoi. Voilà, passez une bonne journée. Merci. À la prochaine fois.